Amen, amen. Shalom. Shalom, amen. Ok. Maintenant, Sawa. Jésus leur répondit. Sasa. Yesu akawajibu. N'avez-vous pas appris, n'avez-vous pas lu? Je hamkujifunza na hamkusoma. Le créateur au commencement. Ya kwamba aliye umba hapo mwanzo. Fit l'homme et la femme. Alifanya mume na mke. Et il dit. Na akasema. C'est pourquoi. Dieu maana. L'homme quittera son père et sa mère. Mume ataacha baba na mama yake. Et sacha à sa femme. Na ataungana na mke wake. Et le deux deviendront une seule chair. Na hao wawili watakuwa mwili moja. Moi je vous pose la question. Sasa ni waulize. Pourquoi Dieu a créé un seul homme et une seule femme alors qu'il était capable de donner à Adam deux ou trois? Sasa. Kwa nini Mungu aliumba tunishaanza, tulishaanza. Amen, amen. J'ai déjà commencé à prêcher. Nilishaanza hubiri mfuate vizuri. Oh kule kwenu mnasema kama kwa monogame strict mnakatala vya polygame mnataka wengine waseme ni polygame na hapa kwa polygame. Uh-huh. Twende leo tuelewane. Ndio ndio. Tuache mihali maraba twende muneno. Amina. Après mahubiri mtanambia bikwaye. Amina. N'interprète pas ça, laissez. Alors, sasa Jésus dit Yesu kasema. Au commencement. Huko mwanzo. Dieu créa l'homme et la femme. Mungu kaumbe. Kaumbe na mke na wote wawili. Deviendra watakuwa une seule chair. Kit mwili moja. Maintenant là-bas au verset 8. Sasa pale kwa sheria mnani. Il leur répondit. Akawajibu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Eti ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu Musa akawapa ruhusa ya kutaliki wake zenu. Mais lakini, il continue, il dit. Anaendelea kisema. Au commencement. Hapo mwanzo. Il n'en était pas ainsi. Haikuwa hivi. Mettons-nous d'abord sur ce point. Tusimamie kwanza kwa point hiyo. Jésus est en train de ramener les gens au commencement. Hapa Yesu iko akirudisha watu kule mwanzoni. Et il leur dit. Akawaambia. Tout ce que les gens vont faire. Yote watu watafanya. Mais au commencement ce n'était pas ça. Lakini hapo mwanzoni haikuwa hivyo. Et moi je vous pose la question. Sasa ni waulize. Vous croyez que Dieu n'était pas capable de créer 4, 5, 6 femmes et donner à Adam? Munawaza Mungu hakuwa na uwezo wa hakuwaka na uwezo wa kumbia Adam wanawake wawili watatu wane. Et surtout qu'il voulait qu'on remplisse la terre. Na hivi ilikuwa ni kwamba ajaze dunia. Donc, nikusema, le nœud de notre compréhension, kifungo cha kuelewa yetu, regardons à la création originale. Aha, tuangalie pale kwa uumbaji wa mwanzoni. Au commencement, c'était quoi? Kule kumwanzo kulikuwa kwa nini? Ne regardons pas ce qui est entré avec le péché. Usione vyenye vilingizwa na dhambi. Regardons quelle était la vraie volonté de Dieu au commencement. Tuangalie nini liokuwa mapenzi makamilifu ya Mungu hapo mwanzoni. Je vais vous lire la brochure, la prédication qu'on appelle. Na nataka wasomea mafundisho yanayoitwa. Les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Kwamba mambo hayakuwaka hivi huko mwanzo. Pour mes techniciens, je ne l'ai pas préparé, donc vous pouvez seulement écrire, ce n'est pas sur les slides. Okay. Je vais lire. Nitasoma. 20 janvier 61. Tarehe 12 na Januari 61. Page 1 paragraphe 1. Kwenye ukurasa wa kwanza mtaji wa kwanza. À son époque enseigna des choses qui n'étaient pas ainsi. Kwa wakati wake kafundisha mambo ambayo hakuwa hivi. Je suppose que s'il venait aujourd'hui donc Jésus. Nawazia kwamba kama angalikuja leo. Il trouverait la même chose. Angekutana jambo lile lile. Les choses qui n'étaient pas au commencement. Mambo ambayo hayakuweko mwanzoni. Si vous voulez chaque fois savoir ce que la vérité. Kama kila wakati unataka kujua iliyo kweli. Retournez au commencement. Amen. Rudilia kwenye mwanzo. Sibubishi mnaanza punguka. Ndio. Kama mnataka kujua kweli. Si vous voulez connaître la vérité. Mwende kumwanzo. Allez au commencement. Kumwanzo njo mtaiwa vitu vya kweli bilikuwaka je. C'est au commencement que vous découvrez la vérité c'était quoi. Il continue le dit. Anaendelea kisema. Retournez dans la Genèse. Murudilie katika mwanzo. Et vous pouvez y trouver chaque culte, chaque vérité que l'on a aujourd'hui. Unaweza kutana kila ibada, kila kweli ambayo unaweza ona leo. Car mana, la Genèse est le chapitre semence de la Bible. Mana mwanzo. Kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo ni kipindi mbegu. Et si l'on veut savoir ce qui est juste.
Na ukitafuta kujua iliyo ya kweli. Retourne au commencement. Rudia kule kumwanzo. Amen. Est-ce que vous nasikia? Et si vous voulez savoir ce qui est juste. Ukitaka kujua iliyo ya haki. Retourne au commencement. Rudilia kule kumwanzo. C'est juste comme j'essayais de dire hier soir. Ni kweli kama vile nilijaribu kusema jana. Quand Dieu fait une déclaration, wakati Mungu anaweka tangazo, il ne peut jamais modifier cela. Hawezi kulibadilisha. Il doit se tenir juste au bout. Ataisimamia ako. Ce qu'il a dit dans la Genèse. Aliyoyasema katika mwanzo. Une fois. Mara moja. C'est la même chose dans l'Apocalypse. Ni lile lile hata katika ufunuo. Et d'un bout à l'autre. Tangu mwanzo hadi mwisho. Il est Dieu. Ni Mungu. Et c'est tout. Na yote ile. Voyez. Unaona. Toutes ces paroles sont vraies. Amen, amen, amen. Maneno yake yote ni kweli. Eh bien. Vema. Nous voyons que quand Jésus est venu, tunaona ya kuwa, Yesu alipokuja, il a trouvé que le docteur avait pris la parole de Dieu et l'avait perverti. Alikuta ya kuwa walimu walikuwa walitoa neno la Mungu na wakalibadili. À leur convenance. Namna wanavyotaka. Ils avaient pris le commandement de Dieu, walikuwa wametoa amri za Mungu, et avaient perverti cela. Wakazigeuza. Et en avaient fait des credos. Na wakazifanya amo masadiki. Eh bien, rappelez-vous. Sorry. Eh bien, rappelez-vous. Sasa kumbukeni. Il n'y a qu'un seul créateur. Mumbaji ni mumoja. Satan n'est pas un créateur. Shetani haiko mumbaji. Et qu'est-ce que le péché? Sasa. Zambi ni nini? Le péché c'est l'iniquité. Zambi ni uovu. Et l'iniquité c'est la chose juste pervertie. Uovu ni nini? Ni jambo lililo kweli ambalo liligeuzwa. Bon, je vais rendre peut-être cela plus clair. Sasa nataka nirahisishe jambo lenyewe. Kulifanya kulileta kwa mwangaza. Vous êtes une assemblée mélangée, donc bon, mixte. Ninyi ni kusanyiko la mchanganyiko. Donc, banome banaikala na banamuke. Ndiyo, ndiyo. Vous écoutez. Munasikia. Vous écoutez votre médecin. Unasikia ka daktari wako. Moi. Mimi. Je suis votre frère. Mimi. Mimi ni ndugu yenu. Qu'un homme vive avec sa femme. Mume akiishi na mke wake. C'est une chose juste. Ni jambo la haki. Il est marié à elle. Aliolewa au akamuoa. Le même acte avec une autre femme. Lile lile tendo pamoja na mke mwingine. C'est la mort. Ni mauti. Hey. Amina. Le même acte. Tendo lile lile. Avec une autre femme. Pamoja na mwanamke mwingine. C'est la mort. Ni mauti. Asema mjumbe. Il continue. Anaendelea. Le moja. Mais la vie inaleta uzima. L'autre c'est la mort. Ingine inaleta mauti. Voyez. Naona. L'iniquité. Uovu. C'est la chose juste. Ni jambo la kweli. Perverti. Ambalo liligeuzwa. Qu'est-ce que mensonge? Uongo ni nini? C'est une vérité. Ni ukweli. Déformé. Ulio geuzwa. C'est ce donc Jésus a dit. Ni ile Yesu alisemaka. Amen. Amina. Kwanza pale kwenye okay. Tunafikia. Ndio ndio. Nous comprenons bien. Niko napenda binase viingie. Cela entre très bien. Kuna watu wanasemaka sema si tuko ba makali hapa. Ndio ndio. Il y a des gens qui pensent que nous sommes sévères ici. Aseme tunasemaka zingine makanisa hazisimami. Et qui disent que d'autres églises ne sont pas debout. Hamuyo kama watu wanaletea haya neno. Vous savez que les gens font honte à la parole. Leo mtu unasikia aseme assemblée. Il y a d'autres qui disent les assemblées. Eh, batakupatia mwanamke wa pili. Oh, va te donner une deuxième femme. Batambia bwana yako awe mwingine usiende kule. D'aller épouser une autre femme. Haïko, ce n'est pas dans cette église. Nous ne croyons pas à cela. Tout à nous ne croyons jamais à cela. L'assemblée qui fait ça, elle est déjà tombée. Elle n'est pas debout. Amen. 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 Et puis on dit des mensonges pour Branham. Nous sommes dans les premières minutes. Nous ne sommes pas encore entrés dans la profondeur. Il y a déjà deux choses que nous avons tirées. Si vous voulez connaître la vérité, allez au commencement. Et tout ce qui est détruit, c'est des bonnes choses qu'on a perverties. Et puis il ajoute, il dit,
et rester en connaissance. Si quelqu'un marie son épouse, il reste sur son lit avec son épouse. Il n'y a pas de problème Mais s'il part commettre les mêmes actes avec une autre femme qui n'est pas la sienne, c'est la mort. Sasa polygamie maintenant, où est la polygamie? Qu'est-ce qu'elle fait? Polygamie anafanyaka biaye. Qu'est-ce que fait le polygame? Alléluia. Halalake kwa halalake kwa Maria lundi. Est-ce qu'il ne part pas chez Marie le lundi? Anaenda kwa Josephine mardi. Le mardi elle va chez Josephine. Lenda lilala kwa Maria wa kwanza. Lundi il a passé la nuit chez Marie. Hakuna shida. Il n'y a pas de souci. Mais akienda kwa Josephine mardi. Mais le mardi lorsqu'il va chez Josephine. Ni lile tendo sawa la kwa Maria. C'est le même acte comme chez Marie. Amekufa kule kwa Josephine. Mais là, c'est Josephine, il est mort. Voulez-vous que notre église soit une église de mort? Non. Vous voulez que notre église soit un lieu où on entasse les morts? Unataka kanisa letu liwe nafasi ya kuweka mizoga? Tout polygame était mort devant Dieu. Amen. Mwanaume wa wanawake wengi ni maiti mbele ya Mungu. Alors n'allez pas mentir. Musiende sema wapo. Branham accepte la polygamie. Ya kuwa Branham anaitika ndoa ya wanawake wengi. Tungali tu kukamoya. Nous sommes sur le premier point. Si ya shusha mvula ya maandiko. Nous sommes pas juste dans la profondeur des écritures. On n'a pas encore mis les citations. Nous sommes juste au débit. Amen, amen. Amen. Oh, Abraham, banaitika kakuwa banamuke mingi. Haiko Abraham, abamini ujumbe ya Abraham. Ni ba bandits. C'est ceux qui acceptent d'épouser une seconde femme, ce sont des bandits. Wakorofi. Je pèse mes mots. Amen. Ce sont des gens qui pervertissent les messages. Ni watu wanaogeuza ujumbe.